meni hawo gomo ni amazi mweni habe mishari numvise kwisimu isenguruka muturangire rwose tugeyo. Bonjour à tous. Déclaration de soutien du cadre de concertation des bâtisseurs du pont interrwandais au peuple congolais face à la guerre d'occupation imposée par le régime de Paul Kagame. Le cadre de concertation des bâtisseurs du pont interrwandais, Rwanda Bridge Builders, en sigle RBB, composé d'organisations de la société civile et de partis politiques d'opposition en exil, exprime son soutien indéfectible au peuple congolais, à son gouvernement et à son armée dans la lutte patriotique et juste engagée contre les envahisseurs de leur pays sous couvert du groupe terroriste du M23 porté par le Rwanda. Le cadre de concertation des bâtisseurs du pont interrwandais tient à souligner la solidarité de ses membres à l'endroit des familles des millions de victimes congolaises massacrées par l'armée de Paul Kagame, ainsi que les centaines de milliers de populations déplacées et soumises à des conditions inhumaines dans les territoires touchés par la guerre actuelle. Nous comprenons d'autant plus le sort infligé au peuple frère congolais que la plupart d'entre nous sommes des survivants des nombreux crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide commis par l'armée de Paul Kagame et les groupes armés agissant de concert et par procuration au Congo depuis 1996. Par ailleurs, des centaines de milliers de réfugiés rwandais survivants des massacres de cette même armée vivent encore dans votre pays, tous stigmatisés qu'ils sont continuellement par le régime en place à Kigali, ce qui nous permet de suivre jour le jour et de bien saisir le degré de nuisance de ce conflit et ses conséquences humanitaires. Nous condamnons sans réserve ces actes barbares dont les véritables sponsors sont, une fois de plus, le président Paul Kagame et son armée. En tant que Rwandais, nous avons un devoir de diligence envers nos voisins, car depuis 26 ans, l'armée du FPR, son chef Paul Kagame et les groupes armés alliés qu'ils ont créés en RDC mènent des guerres injustes, meurtrières, pour déstabiliser la République démocratique du Congo. De nombreux soldats congolais meurent en défendant leur mère patrie, sa souveraineté et son intégrité territoriale. Leur sacrifice ne doit pas être vain, ni être jeté aux oubliettes de l'histoire. Le peuple congolais est un peuple pacifique dont la générosité a profité à des millions de réfugiés rwandais suite aux différents conflits qu'a connu le Rwanda depuis plus d'un demi-siècle. Il est important de souligner l'excellence des relations entre les peuples frères du Rwanda et du Congo depuis nos indépendances respectives. Jusqu'à l'invasion du Rwanda par le FPR, protégé et soutenu par l'Ouganda le 1er octobre 1990. La suite est connue. L'Afrique des Grands Lacs n'a plus jamais connu la paix depuis l'arrivée au pouvoir à Kigali de Paul Kagame. Malgré les différentes initiatives significatives de bonne volonté prises par les voisins du Rwanda pour apaiser les appétits insatiables de ses dirigeants actuels, les problèmes d'insécurité et les guerres successives dans l'est de la République démocratique du Congo ne sont pas dus à d'éventuels conflits sociopolitiques entre Congolais, loin de là. Ils sont plutôt liés à des ambitions d'ordre économique
hégémonique et égoïste de ses voisins, comme en témoignent les différents rapports sur le pillage continu des ressources naturelles de la RDC, lequel pillage d'ailleurs ne profite qu'au régime dictatorial et sanguinaire du FPR et de ses commanditaires. Le président Paul Kagame n'a aucun intérêt à voir un Congo stable, car son seul moyen de maintenir un accès facile aux riches ressources de la RDC est d'y créer et d'y entretenir l'instabilité. Comme de nombreux conflits antérieurs, l'agression actuelle contre la RDC provient du Rwanda, qui en est aussi la base arrière. Le cadre de concertation des bâtisseurs du pont inter-rwandais félicite le gouvernement congolais d'avoir officiellement désigné le Rwanda comme pays agresseur et sponsor avéré du groupe terroriste M23. Il est cependant très important de souligner que le peuple rwandais, lui-même victime de l'oppression que fait régner le régime du FPR à l'intérieur des frontières nationales, ne doit et ne peut être tenu pour responsable des atrocités commises par Paul Kagame et sa clique minoritaire pour saper la paix en Afrique des Grands Lacs. Le cadre de concertation des bâtisseurs du pont inter-rwandais demande aux autorités congolaises de continuer à mettre tout en œuvre pour la protection des réfugiés rwandais et des autres populations vivant régulièrement et pacifiquement sur le territoire de la République démocratique du Congo. Les agressions criminelles du régime de Paul Kagame contre ses voisins sont bien connues et documentées. Ce dernier et son armée constituent une menace permanente pour la paix et la stabilité en République démocratique du Congo, mais aussi pour l'ensemble des peuples de la région d'Afrique des Grands Lacs. Le prétexte sécuritaire associé à l'existence de FDLR, constamment utilisé comme alibi par le régime de Kagame, ne peut en aucun cas justifier la guerre que mène actuellement le Rwanda contre le peuple frère du Congo. En effet, le gouvernement rwandais a, dans le passé et à plusieurs reprises, déclaré que les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, avaient été définitivement neutralisées et qu'elles ne représentent plus de menaces sérieuses contre le Rwanda. Il s'agit donc, aujourd'hui, comme on le voit, d'un prétexte, d'un alibi qui ne tient pas. Les réfugiés rwandais en RDC, dont font partie les membres des FDLR, sont plus que disposés à rentrer dans leur pays, dans la dignité, pacifiquement, et ce, dès que les conditions de sécurité seront remplies, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il est aberrant que le régime de Paul Kagame, qui a toujours refusé d'ouvrir l'espace politique dans son propre pays, qui a toujours rejeté toute possibilité de dialogue avec son opposition, ce régime prédateur qui assassine les réfugiés dans leur pays d'asile et qui se maintient grâce à l'instrumentalisation du génocide des Tutsis, il est aberrant que ce régime ose demander au gouvernement de la RDC de négocier avec le mouvement terroriste du M23, créé et financé par Kigali. Le cadre de concertation des bâtisseurs du pont inter-rwandais, Rwanda Bridge Builders, réitère son attachement indéfectible au strict respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC qui ne sont pas négociables. Soutient la position du gouvernement congolais de défendre chaque centimètre du territoire du pays et applaudit l'élan patriotique du peuple congolais aux côtés de sa vaillante armée
déterminé à ramener la paix et la stabilité sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Les discussions en cours à Luanda et à Nairobi et dans d'autres capitales pourraient et devraient être utilisées comme un levier afin de mettre définitivement fin aux souffrances des populations de la région d'Afrique des Grands Lacs. Le cadre de concertation des bâtisseurs du pont interrwandais rappelle l'impérieuse nécessité de combattre l'injustice et l'impunité en accordant l'importance qu'il sied au rapport du projet mapping des Nations Unies concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commis entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo ex-Zaïre et appelle à la stricte application des recommandations du rapport mapping en ce qui concerne la mise en place d'un tribunal ad hoc chargé de poursuivre et de juger les auteurs de ces crimes odieux. Et ce sera justice. Fait à Paris, le 22 novembre 2022, pour la coordination du cadre de concertation des bâtisseurs du pont interrwandais, Jean-Marie Vianney d'Agijimana, je vous remercie. Numvise kwisi mu nzenguruka uturangire rwose tugeyo.